Ah bah, salut chacun de vous, depuis l'espace sacré de votre cœur. Installons-nous ensemble dans le silence de l'évidence, dans la paix du cœur. Afin de nous accueillir les uns dans les autres. En ce temps de communion et de fusion, en cet instant, nous allons échanger et communier. Au travers de mes mots, au travers de vos mots, comme au travers des silences, afin que chacun puisse se reconnaître en chaque autre, comme en Abba. Et c'est dans cet espace de l'intimité de chaque cœur que nous allons nous accueillir au-delà des mots et au-delà des questions, afin que chacun puisse se retrouver en sa vérité. Au-delà de toute forme, au travers de toute question ou de tout témoignage. Alors Abba t'écoute, comme il écoutera après ces questions écrites chacun de vous, en ce qu'il a à dire, à demander, à exprimer. Alors bien-aimé, si tu veux bien commencer. Voici la vision d'une sœur présente. Il y a 2 jours, j'ai eu la vision d'un jeu. C'était un carré qui ressemblait à un jeu de dames. Chaque case était une partie du jeu à voir. J'ai ressenti qu'il y avait des cases du jeu qui n'étaient pas assez claires, pas assez visibles. Puis le centre du jeu s'est éteint, faisant comme un cercle sans contour net dans le carré de jeu. Ce matin, au réveil, en pensant à cette vision, j'ai senti un cœur à droite de mon corps. Il était très lumineux, comme celui que je sens habituellement à gauche. Voilà. Bien-aimé, en tous les jeux comme en toute expérience, au-delà de la conscience de ce monde, nombre d'éléments s'éclairent. Que cela soit en ce monde comme en tout monde, quel que soit le jeu qui est joué, quelles que soient les perceptions, comme les visions, il convient aujourd'hui de se laisser traverser par cela, et comme cela a été dit, de le vivre, sans avoir la moindre nécessité de le comprendre. La compréhension vient toujours après le vécu. Mais vous ne pouvez comprendre, au niveau de la conscience, ce que vous n'avez vécu. Le jeu essentiel, en ce moment, est de dépasser tout ce qui est de l'ordre de l'expérience, de ce qui passe, même en les états les plus expansés de votre conscience, afin de trouver la source de la conscience elle-même, qui n'est rien d'autre que l'observateur des faits de toutes ses habitudes, de toutes ses croyances et de toutes ses projections. C'est ainsi
que vous arrivez à ce qui a été communément appelé la vacuité, le grand vide, au-delà de la conscience, où est l'évidence de la joie et l'évidence de l'amour, qui n'a besoin d'aucun scénario, d'aucune forme et d'aucune expérience. Mais bien sûr, vous l'avez compris, nombre d'expériences vous ont permis, en ces temps passés, de vous rapprocher de l'indicible. L'indicible, impossible, inconnu, devient chaque jour plus connu pour toujours un nombre plus grand de consciences fragmentées, permettant, par l'alchimie de l'amour, de réunifier l'ensemble de ce qui semblait séparé ou divisé. Je dirais qu'en ce temps, vous n'avez rien d'autre à traverser que de vous laisser traverser par ce qu'il se déroule, que cela soit sur l'écran extérieur de ce monde comme sur l'écran intérieur. Vous n'avez rien à faire d'autre que d'être présent, immobile, sans être emmené ou emporté par quelque image ou quelque scénario ou quelque compréhension que ce soit. L'évidence, de plus en plus présente, ne sera jamais une compréhension, ni même une image, ni même une expérience, quelle qu'elle soit, de la conscience. L'évidence d'aujourd'hui est justement dépasser tout ce qui appartient à la conscience, quelle qu'elle soit, afin de demeurer de manière stable et définitive dorénavant dans cet état de vacuité où tout est traversé sans modifier un quelconque équilibre. Parce que le point d'équilibre au-delà de la conscience est permanence et immanence. Chez nombre d'entre vous, le jeu de la conscience se fait jour. Que cela soit aussi bien dans votre éphémère qu'au sein de vos expériences intérieures. Rappelez-vous que vous êtes antérieur à toute expérience et que vous précédez la première forme comme la première conscience. Et c'est en cela que se trouve non pas l'extase ni l'instase, mais l'évidence de qui vous êtes, au-delà de toute forme, au-delà de tout scénario, comme au-delà de toute interrogation. Ainsi donc, je vous invite, à travers ce premier témoignage, à ne pas vous laisser emporter par quelques discussions intérieures ou extérieures, si ce n'est bien sûr au travers de ce que j'ai déjà dit, c'est-à-dire témoigner. Parce que quand vous témoignez ainsi, vous ne témoignez pas de vous-même, mais vous témoignez de la vérité qui est invisible au sens ordinaire et qui se révèle de manière suprasensible avant de vous permettre de ne plus être tributaire non plus de ces visions et de ces expériences, afin de vous permettre de vous identifier avec facilité à ce que vous êtes en vérité, au-delà de la forme et au-delà de la conscience. Il ne peut y avoir en cette période de plus grande satisfaction et résolution que cela. Il vous convient aussi d'accepter que, quelles que soient les circonstances ou les événements, que cela soit à l'intérieur de vous comme sur l'écran de la conscience ordinaire au sein de l'éphémère, de ne plus être arrêté par quoi que ce soit. Et de voir, même si cela n'est pas compris, que l'ensemble des événements se déroulant sur l'écran de la conscience ne sont en définitive que des éléments qui vous permettent justement de vous retrouver antérieurement à toute conscience.
Cela vous a été expliqué et vous l'avez vécu avec diverses intensités. Mais ce qui s'ouvre à vous, je dirais depuis quelques semaines de ce temps terrestre, c'est bien la possibilité réelle, palpable et tangible de ne plus être affecté par ce qu'il se déroule sur l'écran de la conscience, que cela soit sur l'écran intérieur comme sur l'écran de ce monde. La dynamique qui est en cours vous permet, je dirais, de plus en plus aisément de ne plus être affecté par les différents jeux de la conscience et de vous situer antérieurement à celle-ci, là où tout est paix, là où tout est joie, là où tout est amour. Il convient d'accepter que l'intelligence de la lumière, par le biais de la conscience christique, vous permet à chaque occasion, à chaque regard porté ou à chaque état intérieur, de vous rapprocher de cet ultime, d'en vivre la quintessence. Quelles que soient les images, quels que soient les habits endossés, les expériences menées à la surface de ce monde, comme au sein de votre être intérieur, en définitive, ne fait aucune différence. Parce que absolument tout ce qui va se dérouler et se déroule d'ores et déjà, en définitive, n'a qu'une seule finalité. Vous permettre de vous retrouver en ce qui n'a jamais bougé, en ce qui n'a jamais participé au moindre jeu de la conscience, vous plaçant avant même la création, quelle qu'elle soit. Abat en cela est l'élément majeur, n'appartenant pas à la création, ni même à une forme, qui vous permet de vous retrouver au-delà de la conscience. Ainsi donc, et nous le verrons même à travers d'autres témoignages que nous aurons, que l'important finalement, au-delà du témoignage en lui-même, et ce que vous déclenchez par syntonie, par résonance et affinité en d'innombrables frères et sœurs, permettant au travers de l'expérience que vous avez vécue, de eux aussi se retrouver. Il ne s'agit pas ici d'un jeu de miroir, mais de l'évidence brute de la vérité qui est efficiente. Abba vous l'avait dit, chacun d'entre vous joue aujourd'hui sa partition. Il n'existe aucune meilleure partition qu'une autre, ni une plus mauvaise qu'une autre. Il y a juste, selon le principe de l'intelligence de la lumière, de la fluidité, de l'unité, de suivre, si je peux dire, ce que la vie vous propose. En quelque événement que ce soit, en quelque situation que ce soit, non pas pour vous appuyer sur celle-ci ou la rejeter, ou en comprendre quoi que ce soit, mais bien plus pour la dépasser, la transcender, et du point de vue de la personne ou de l'histoire, de passer en quelque sorte de l'autre côté, là où vous n'avez jamais bougé, là où vous n'êtes jamais né, là où tout est parfait. Vous êtes de plus en plus nombreux à vous retrouver en Abba, qui est en vous, comme vous vous retrouvez les uns dans les autres, même si cela passe par certaines incompréhensions et certaines colères. Car au-delà de tout ça, bien évidemment,
il n'y a que l'amour. Quelle qu'en soit l'apparence, quelle qu'en soit la souffrance, si cela concerne votre corps, ou quelle que soit la relation, même qui vous semble se terminer d'une manière ou d'une autre, si vous lâchez cela, alors vous vivez ce que vous êtes, car vous vous démontrez à vous-même que vous n'êtes tenu ni par une vision, ni par un état de la conscience, ni par un événement de quelque nature que ce soit, se déroulant au sein de l'éphémère. Et chaque jour, vous êtes de plus en plus nombreux à constater et à vivre que quel que soit ce qu'il se déroule, que quel que soit ce qu'il se passe, cela ne fait que se dérouler, cela ne fait que passer. Mais qu'au-delà de ce qui passe et se déroule, il y a le cœur du cœur, son infinie présence et surtout, au-delà de la forme, il vous est offert de vivre l'extinction de votre propre conscience, vous donnant à vérifier par vous-même que là est l'unique demeure, quelles que soient les innombrables demeures de la maison du Père, en définitive. Tout ceci ne sont que des jeux de la conscience, des jeux au sein des dimensions. Comme vous le savez, le serment et la promesse, et comme vous le vivez, est de plus en plus présent sur le devant de la scène intérieure comme extérieure, et de votre capacité à lâcher, de votre capacité à ne pas être entraîné par quelque questionnement ou interrogation que ce soit, dès que vous lâchez vraiment, le sacrifice alors peut se vivre, suivi de la résurrection de plus en plus immédiate. Autant voilà quelques semaines de ce temps terrestre ou quelques mois de ce temps terrestre, et vous avez été évoqué un certain nombre de strates, d'étapes que je pourrais qualifier d'intermédiaires vers cette vérité. Mais aujourd'hui, cela est profondément différent depuis peu de temps, parce que cette vérité est accessible quels que soient les masques, les costumes, les apparences ou les projections que vous avez mis en place. En résumé, de plus en plus fréquemment, il y a simultanéité de la conscience, quelle qu'elle soit, et de l'état antérieur à la conscience, même si cela peut être déroutant dans un premier temps. Cela va se déployer de plus en plus, vous donnant à vous immerger de façon naturelle et spontanée au-delà de tout état méditatif ou d'alignement, ou même de tout rendez-vous, de vivre cette évidence, là où il n'y a ni question ni interrogation, là où il n'y a nulle place pour la souffrance, là où il n'y a nul emplacement pour la moindre séparation. Le plus dur, pour celui qui est dans cette forme illusoire et éphémère, c'est bien de rompre, je dirais, le cercle vicieux des ultimes habitudes. Non pas tant les habitudes de la personne que les habitudes de fonctionnement de la conscience elle-même. Car quand le jeu de la conscience est vu, que cela soit en ce plan comme en tout plan, elle ne peut plus s'imposer et laisse place à ce qui n'a jamais bougé. Là où le contentement ne peut jamais disparaître, là où la joie ne peut jamais s'assombrir, quelles que soient les circonstances, et là où l'amour prend tout l'espace, toute la place et tous les temps. Le processus de la résurrection est donc de plus en plus vaste, de plus en plus ample, et je dirais aussi quelque part de plus en plus évident. Et je dirais même, quelles que soient vos résistances et vos habitudes, celles-ci seront de plus en plus fréquemment balayées par l'intelligence de la lumière
et non pas par une quelconque action entreprise depuis votre personne. Le plus important aujourd'hui n'est pas tant d'explorer quelque dimension que ce soit, mais d'incarner en totalité au travers de ce corps la vérité de l'amour, la vérité de l'absolu. La vérité absolue. Pour cela, vous n'avez besoin d'aucun outil. Vous n'avez plus besoin d'aucune connaissance préalable. Et c'est justement la disponibilité de cela qui fait que chaque jour, vous êtes de plus en plus nombreux à le découvrir et à le laisser se vivre. À ce moment-là, vous n'êtes plus votre vie, mais vous êtes la vie. Comme cela a été dit, vous êtes aussi la voie, la vérité et la vie, mais vous comprenez aussi qu'en définitive, il n'y a ni voie, ni vérité, ni vie, mais qu'il n'y a que l'absolu, la béatitude infinie au-delà de la forme, là où il n'y a une conscience qui se résout en la conscience. Chacun d'entre vous est à même, dès l'instant où il lâche toute certitude et toute interrogation, ou tout questionnement concernant l'éphémère ou l'éternité, l'immédiateté de la résurrection. Celle-ci vous foudroie. Elle vous foudroie, que cela soit par l'intermédiaire d'un témoignage, d'un frère ou d'une sœur, ou de manière totalement inopinée, à un moment où vous ne cherchez rien, ne demandez rien et n'attendez rien. La vérité vous prend de plus en plus par surprise. Et bien évidemment, il ne s'agit pas ici d'injonction ou d'appel de la lumière, mais bien de l'évitance de la vérité, de l'amour nu ou de la conscience nue. Tout le reste vous apparaît comme superflu, inutile et encombrant. Alors bien sûr, vivre cela, ce n'est pas non plus tout quitter, mais c'est plutôt tout réunir dans la même vérité et dans le même brasier d'amour. Là où nulle forme et nulle distance ne peut persister. Alors en réalisant cela, vous vous apercevez que vous êtes de plus en plus vrai, de plus en plus, je dirais, en accord, non pas avec votre personne, non pas avec une quelconque histoire ou une quelconque dimension, mais tout cela est balayé par l'intensité de l'amour nu, par son vécu. Et je vous engage, tout un chacun, de laisser se produire cela. Rappelez-vous, vous ne pouvez pas le chercher, vous ne pouvez pas l'espérer ni le redouter, parce que c'est dans l'instant où vous faites le silence complet de toute revendication, en quelque monde que ce soit, que dorénavant la vérité se fait jour et vient sidérer, si je peux dire, la totalité de la conscience. Si je peux dire, l'évidence devient de plus en plus forte, de plus en plus troublante aussi. Mais maintenant, il ne peut rester d'autre obstacle, si je peux dire, en chacun de vous, même plus le poids de la conscience, mais simplement le poids des habitudes, le poids des répétitions, le poids de certaines illusions. Mais rappelez-vous là aussi que plus vous mettrez l'amour devant, moins il y aura de peur, moins il y aura de questions, et moins il y aura d'incertitudes.
Rappelez-vous à chaque minute que vous n'avez rien à faire, que vous avez juste à être là, présent, que cela soit en l'éphémère comme en l'écran intérieur, et de laisser être ce qui est là à profusion. Cela a été nommé le sacrifice. Cela a été nommé aussi l'ultime retournement. Celui qui est ici même, au sein de ce monde, vous donne à vivre à la fois la résurrection, sa finalité, mais bien plus encore, c'est-à-dire l'ascension. Chose que vit, vous le savez, la terre elle-même en ce moment. Et je peux dire même, sans rien vivre au-delà de la conscience éphémère, sans vivre aucune expérience, sur l'écran de votre vie, sur l'écran de votre corps, vous avez tous les éléments qui vous permettent de traverser cela. Et la seule façon de le traverser, c'est l'abandon. L'abandon à la lumière, l'abandon à la vérité, l'abandon à l'inconnu. Et chaque jour qui va passer va vous amener à conscientiser, si je peux dire cela, à le vivre pour vrai, jusqu'au moment où pour vous, il ne pourra plus avoir d'autres vérités qui tiennent face à cela. Ce processus, je l'ai dit, est de plus en plus fulgurant et immédiat. La contrepartie aussi, bien sûr, est que les éléments de résistance liés aux habitudes, ou à la personne, ou à l'histoire, se manifestent eux aussi avec d'autant plus de virulence, vous montrant parfois la distance entre la vérité et ce qui n'est que parcellaire. Même si cela est difficile, que cela soit pour le corps, les relations, ou quelque événement que ce soit, si vous changez de posture à ce moment-là, alors l'évidence se fera jour encore plus rapidement. Rappelez-vous qu'au-delà des mécanismes de la conscience liés à l'extase ou autre, c'est au sein même de votre éphémère que la paix et l'équilibre doivent s'incarner, quel que soit votre âge, quels que soient les problèmes, quelles que soient les peines, quels que soient les manques, car vous êtes tous exactement à la très bonne place. Quoi que vous en disiez encore ou en pensiez, cela ne change rien. Alors si cela est la joie et la plénitude, c'est que cela est pour vous la meilleure circonstance. Mais si c'est l'inverse, que cela soit la souffrance du corps, les problèmes de quelque nature que ce soit. Là aussi, il faut accepter. Il faut accepter que derrière ce qui vous semble difficile, il y a aussi l'évidence et la facilité. Mais pour cela, il vous faut lâcher encore plus et toujours plus. Avoir une confiance qui n'est pas ni en vous ni en l'autre, ni même en l'amour ou en la lumière, mais une confiance en la vérité, qui ne dépend d'aucun monde, ni d'aucune forme, ni d'aucune circonstance. Ce que je veux dire aussi par là, c'est que chaque jour qui se déroule sur l'écran de l'éphémère vous amène tout naturellement à cela, même si vous ne le voyez pas encore, même si vous n'en vivez rien, et il ne peut en être autrement. Car l'intelligence de la lumière prévaudra toujours sur les lois d'un monde, quel qu'il soit, enfermé ou pas. Parce que chaque conscience, en ce monde comme en tout monde, est porteuse depuis l'origine de cela.
Alors, comme je l'ai dit les deux dernières fois, où les lignes de temps se rassemblent et commencent pour certains d'entre vous à se séparer, il n'y a pas de meilleur intervalle et de meilleures conditions pour vivre cela. Mais il vous faut d'abord déjà l'accepter, sans rien en comprendre. Vous démontrant par là même à vous-même qu'il n'y a plus de peur. Cela vous a été répété durant d'innombrables années, la peur ou l'amour. Aujourd'hui, je peux dire, vous passez aux travaux pratiques. Et je rappelle que quelle que soit la libido de la personne, que cela soit la maladie, la souffrance, la séparation, la joie, l'abondance ou le manque, cela ne fait aucune différence. Parce que tant que vous croyez qu'il y a un préalable, que cela soit au niveau de votre santé ou des circonstances de votre vie, ou des circonstances de vos visions intérieures, vous ne pouvez pas être libre. Vous êtes encore sujet et soumis à un temps qui passe, à une forme qui passe. Rappelez-vous qu'il n'y a rien non plus à rejeter de ces visions ou de ces expériences, mais simplement là aussi voir au travers et laisser se dérouler avec une confiance absolue, non pas en votre personnage ni même aux circonstances de ce monde, mais une confiance absolue en ce qui vous est peut-être encore inconnu. Et les innombrables témoignages et vécus ne sont là en définitive que pour vous faciliter la tâche. Je dirais qu'aujourd'hui, vous avez beaucoup plus besoin les uns des autres que d'Abba ou que de Marie ou que d'un archange ou d'un autre monde. Vous le savez, l'espace de résolution de toutes les équations et de toutes les incompréhensions se situe précisément sur cette terre, en chacun de vous. Un certain nombre d'éléments vous ont été communiqués, je ne les reprendrai pas aujourd'hui, que cela concerne la respiration du cœur, les différentes formes de syntonie, ou le simple fait d'accueillir l'autre de manière inconditionnelle, quel qu'il soit. Et certainement, la meilleure action que vous pouvez mener ici même en ce monde pour vous permettre de vivre la vérité. Vous n'avez plus besoin de vous encombrer de textes, de techniques, quelles qu'elles soient. Je l'ai dit, vous avez juste besoin d'être vrai, authentique et humble. Et l'amour est là. Et la sagesse est là. Aucun obstacle ne peut tenir. Et aucune illusion ne pourra se dresser au devant de l'amour. Cela, vous êtes là aussi de plus en plus nombreux à le vivre, à le manifester, ici même, à la surface de ce monde. Tout ce qui constituait la trame invisible comme visible de ce monde comme de tout le monde n'a plus, je dirais, la même intensité de détournement qu'auparavant. C'est pour cela que je vous dis aujourd'hui que vous êtes dans les conditions optimales et les plus parfaites, quoi que vous en pensiez et en disiez, pour vivre ce qui est à vivre pour vous, pour aller au-delà de toute personne, de toute histoire, de tout scénario, de toute dimension, de tout objectif et de toute compréhension. C'est en cela que cela demande de votre part,
je dirais la plus grande des simplicités et la plus grande des humilités. De ne plus être identifié à quelque chose qui passe, à une relation même la plus harmonieuse au sein de ce monde, comme à quelques circonstances de ce monde, mais aussi comme à tout élément vécu sur l'écran intérieur. Alors laissons le silence quelques secondes prendre le relais de mes mots avant de poursuivre avec un autre témoignage ou une autre question. Bien-aimé, peux-tu poursuivre ? C'est un témoignage développé. Bonjour Abba, je vous remercie d'accepter mon témoignage et si vous pouviez non pas m'aider à comprendre, mais m'accompagner dans mon vécu. J'ai souffert un ictus, un infarctus cérébral le 25 mai, qui a eu comme conséquence une hémiplégie du côté gauche, bras et jambes gauches paralysés. Quelques heures avant l'incident, j'ai eu une espèce de rêve lucide. J'étais consciente. Ce n'était pas un rêve, mais une expérience réelle, vécue consciente. Pendant plusieurs heures, j'ai fait passer sur un ordinateur des archives avec la souris. Je les faisais glisser dans un dossier qui s'appelait « Mon cœur ». J'avais 200 archives à passer une par une. Chaque archive avait le nom d'une personne, mais avant de les glisser dans le dossier « Mon cœur », les archives devaient subir une préparation qui consistait à hyperventiler avec la respiration du cœur pendant 2 minutes chacune. Et après, je les faisais glisser dans le dossier « Mon cœur ». Cela était épuisant, mais je devais le faire. Je ne comprends toujours pas pourquoi je devais absolument le faire, mais j'en étais responsable et je devais absolument le faire. Un point, c'est tout. Cela a duré plusieurs heures, épuisé mon cœur à flancher. Et un caillot est allé faire exploser mon cerveau. Après cela, je suis restée à moitié consciente. Je mourais, je sentais une conscience sortir de mon corps. Je la voyais comme une flamme bleue qui sortait de mon corps physique. Et je me suis retrouvée dans une espèce de grenier, hangar, comme dans une espèce d'inframonde plein d'objets et de boîtes. Et ma conscience, ma flamme bleue, s'est mise à chercher. Elle avait besoin d'une boîte pour rentrer dedans, pour pouvoir se manifester. Elle rentra dans une grande boîte vide. N'importe quoi pouvait lui servir. J'ai alors compris que tout objet avait une conscience et que toute conscience avait besoin d'un véhicule pour pouvoir se manifester. Ce fut un cauchemar. Ce ne fut pas un rêve, mais un cauchemar conscient vécu. Voilà. Pouvez-vous m'éclairer ? Bien-aimé. Ton témoignage fait suite à la longue réponse que j'ai fournie précédemment. Il t'a été donné de t'installer au-delà de toute forme et de voir la forme que prend la conscience, comme tu l'as dit, pour se manifester. Et comme tu l'as si bien dit, voyant cela, comme tu le dis, c'est un cauchemar. La conscience est donc un poids. Bien évidemment, il y a eu répercussion. Ou alors révélation. Mais cela, nul ne peut le dire. Je ne pense pas que ce soit le fait d'avoir vu cela qui ait déclenché quoi que ce soit, mais l'a simplement révélé. En effet, tant qu'au niveau de ce que tu nommes la spiritualité, il y a le besoin d'histoire, de forme, même abritant la conscience, eh bien, il n'y a pas vérité. Et c'est le mot que tu as employé, cauchemar.
Alors, bien évidemment, comme tu le dis toi-même, il y a une superposition entre ce cauchemar de la conscience étant tributaire d'une forme, quelle qu'elle soit, et ce qui est vécu au-delà de la conscience. Le corps, bien sûr, a lâché, comme tu l'as dit. Mais ce n'était pas ton cœur d'éternité qui a lâché, mais bien, comme tu le dis, le cœur physique et les répercussions au niveau de l'âme, c'est-à-dire du sang. Tu l'as dit toi-même, il y a eu caillot. Ce caillot est parti du cœur et est allé dans la tête. Ainsi, à travers cet événement douloureux pour la personne, par le vécu, bien sûr, il t'a été donné de voir le jeu de la conscience. Et que ce jeu de la conscience est stérile. Et que vivant l'amour, ne serait-ce que par intermittence, tu n'as plus le droit d'emmener quiconque dans les jeux de la conscience. Car tu les emmenais directement en un autre cauchemar. Alors il a fallu, bien évidemment, un événement douloureux, afin que ce vécu et cette découverte te permettent, là aussi, de conscientiser que la conscience, en définitive, n'est qu'un cauchemar. Comme tu le dis toi-même, tu t'es senti mourir, et tu t'es vu sortir, sans le préciser, en tant que flamme bleue. Alors là vient la seule et unique question. Si tu n'es ni ce corps, ni cette flamme bleue, ni ce corps d'éternité, tu es bien celui qui a vu cela. Et celui qui a vu cela n'a jamais bougé, a toujours été là. Et au travers de cet accident dramatique, c'est ce que tu as révélé en toi. Mais il était indispensable que tu n'entraînes plus aucun frère ou sœur dans un rêve chimérique. Les temps ne sont plus à cela. Et tous ceux qui, parmi vous, vivant quelques étapes de la résurrection et de la vérité, s'amuse au jeu de la dualité et de la conscience, ne peut qu'en souffrir et en être affecté. Parce qu'il n'existe aucune dualité au sein de l'amour, car il n'existe au sein de ce qui est antérieur à la conscience, aucune polarité. Ayant vécu cela de différentes façons, à différents moments, pour toi comme pour beaucoup d'autres, dès l'instant où vous succombez aux habitudes ou aux spiritualités au sens large, d'autant plus si vous êtes enseignant, alors vous le payez, parce que vous n'êtes pas vrai avec vous. C'est-à-dire que vous avez vu la vérité, vous avez vécu l'unité, et qu'à ce moment-là, vous rentrez dans le jeu de la conscience et de la dualité, du bien et du mal, alors vous êtes foudroyé. Parce qu'aujourd'hui, effectivement, la notion de libre-arbitre ne veut plus rien dire. Croire que vous avez le choix vous démontre simplement que vous ne vivez pas la vérité. Parce que la vérité n'est pas un choix. Elle est l'évidence de l'inconnu, mais qu'elle ne découle jamais d'un choix. Et si par mégarde, vivant la résurrection de quelque strate que ce soit, vous retombez pour une raison ou une autre dans la moindre dualité de la conscience, et je ne parle même pas de ce monde, alors vous vous placez en opposition et en confrontation avec la vérité. Cela a été dit voilà quelques mois. Jusqu'à présent, il y avait des rappels à l'ordre de la lumière. Mais dorénavant, l'âme est en contact direct avec l'esprit de feu et de vérité. Et s'il n'y a non dissolution de l'âme et persistance de jeu illusoire au sein de la dualité, alors vous ne pouvez qu'en être affecté, non pas comme une punition, mais bien comme un réajustement le plus adéquat, quoi que vous en disiez, pour être la vérité. Alors bien sûr, aujourd'hui, vu la proximité de l'événement, au-delà de la compréhension, tu le dis toi-même, un besoin d'être accompagné. Mais Abba est en toi, au-delà de toute forme, et au-delà de tout scénario. Et d'ailleurs, nombre parmi vous qui vivent
depuis des mois. Les aspects multidimensionnels de la conscience conscientisent quelque part aujourd'hui que cela n'est plus nécessaire ni indispensable, mais que prévaut avant tout la paix intérieure, l'état de vacuité, l'état d'évidence. Tout le reste, même au sein multidimensionnel, tout a été accompli. Il vous reste à l'accomplir individuellement, au plus intime de votre chair. Il s'agit là d'une transformation et d'une transsubstantiation totale de votre forme. Et quelle que soit la forme de votre corps d'éternité, même si vous le percevez et y voyagez, cela, là aussi, n'a plus de raison d'être devant la vérité. Et plus vous serez immobile dans la vacuité de la vérité, dans l'immobilité de la conscience, quel que soit ce que vous fassiez en ce monde comme sur l'écran intérieur, là est l'essentiel. Tout le reste va vous apparaître de plus en plus comme une distraction, voire un détournement de l'amour. Alors bien sûr, vous n'irez pas pour la plupart jusqu'à ce type d'accident, qui n'en est pas un, mais qui est pour toi, je le répète, la meilleure opportunité de rester tranquille, de ne plus nourrir l'illusion, de quelque manière que ce soit. Et c'est ainsi, au travers de cet accident, comme tu le dis, que tu vas trouver la vérité, non plus simplement comme expérience, mais comme un état fondamental, qui n'a besoin de rien. Là se situe, je dirais, le véritable enseignement. Il n'est plus aujourd'hui dans l'enseignement de quelque technique que ce soit, ou de quelque connaissance que ce soit. Parce que sinon, non seulement vous vous perdez, mais vous entraînez les autres au-delà et au loin de la vérité. Et cela ne peut être toléré, ni par vous, ni par l'autre, ni par la vie. Ainsi donc, il existe, à marche forcée, si je peux dire, un réajustement de plus en plus rapide et foudroyant. Parce que dès l'instant où vous avez vécu ne serait-ce qu'une parcelle de la vérité au-delà de toute forme, vous ne pouvez plus faire le moindre marche arrière, ni exprimer la moindre réticence. L'amour est une vérité qui ne s'accommode d'aucun libre arbitre. Le libre arbitre appartient à la personne qui se croit libre de ses choix. L'amour n'est pas un choix, ni une décision. C'est au-delà de tout état, et cela se révèle de toutes les façons possibles. Alors bien sûr, tu peux faire appel à Abba, au-delà de la forme, mais Abba dans ta tête, là où il y a eu cet accident. Et le miracle alors est possible, parce que le miracle participe de la révélation de la lumière, quel que soit l'accident et son intensité qui a été vécue. Je peux te dire qu'il n'y a rien d'irrémédiable, quelles que soient les apparences. Mais là aussi, cela ne dépend pas de moi, et encore moins de toi, mais simplement de la capacité que tu as à laisser œuvrer la vie. Cela ne veut pas dire, bien sûr, ne pas t'occuper de ton corps, que tu nommes cela rééducation, soin ou médecine, mais c'est l'attitude de ta conscience elle-même qui est prépondérante et qui est la plus importante. Tout le reste ne fait qu'accompagner. Ainsi, quelque part, tu t'es mis toi-même au défi de cette éternité que tu es au-delà de tout monde. Alors bien sûr, c'est beaucoup plus agréable de vivre cela tranquille, sans atteinte du corps, sans atteinte relationnelle, sans problème avec ce monde. Mais vous constatez tous, sans beaucoup d'exceptions, que cela n'est pas comme ça,
et que c'est par votre capacité. Je ne parle bien de votre capacité et non pas de votre compréhension, ou si vous préférez, de votre sagacité, à laisser être ce qui est, que se vit et se retrouve la liberté. Tant que vous croyez tenir à quoi que ce soit de ce qui est vu ou vécu en ce monde, la liberté ne peut être vécue en totalité. Il n'y a pas d'autre alternative. S'il existe en vous la moindre dualité, même non exprimée, mais vécue intérieurement entre le bien et le mal, alors vous êtes inscrit dans la dualité et non pas dans l'unité. Cela vous amène, les uns et les autres, à vous repositionner, à vous réadapter très vite, avec l'intelligence de la lumière, avec l'absolu, avec l'inconnu. Chose que ne pourra jamais faire votre personnage, ou quelque vision ou expérience intérieure que ce soit. Bien sûr, les expériences, les vécus continueront jusqu'au moment collectif. Mais vous ne devez être en aucun cas tributaire des circonstances, quelles qu'elles soient, de ce monde comme intérieur. Sinon, vous n'êtes pas libre. L'amour est liberté. Mais vous ne pouvez pas dévier l'amour et la lumière pour en faire ce que vous voulez, plus maintenant. La lumière est tranchante. Elle est lague. Elle peut même faire disparaître votre corps, si pour vous cela est essentiel. Croire que vous allez, au sein de ce monde, dorénavant, être dans une perfection de vie ou de confort, est totalement illusoire. Vous le savez bien et vous le voyez bien de partout sur la Terre. Le tohu-bohu augmente et cela avait été annoncé et stipulé. Plus le tohu-bohu extérieur et même de votre corps s'amplifiera, plus vous trouverez la paix. Quoi que vous en disiez encore aujourd'hui, vous allez tous constater cela. Parce que dès l'instant où vous vous placez en opposition à la vérité vécue, alors vous entraînez résistance et souffrance. Il n'y a pas d'autre responsable. Il n'y a pas de fautif non plus. Il y a juste simplement quelque chose qui n'a pas été vu clairement et qui doit être vu clairement. L'amour est fort simple. Il ne s'embarrasse ni de compréhension, ni d'échelon, ni de degré, ni d'initiation d'aucune sorte. Car tout ceci ne fait que vous renvoyer à la séparation et à la division. La vérité nue n'a pas besoin d'artifice, d'aucune technique, d'aucune condition préalable. C'est juste, je dirais, la disposition intérieure qui fait toute la différence, et non pas quelque posture de votre personne ou quelque vision intérieure ou même expérience vécue au sein de la multidimensionnalité. Aujourd'hui, plus que jamais, la lumière va vous intimer le silence et la vacuité. Même si, bien sûr, pour nombre d'entre vous, il est important encore de témoigner, non pas pour vous, non pas pour une quelconque valorisation de votre personne ou de votre histoire, mais qu'afin que d'innombrables se retrouvent en vous, vivant les mêmes choses, se retrouvant donc en vous et dans ce que vous racontez. Il n'y a rien de pire que de croire aujourd'hui que la lumière va vous faire être bien ou en équilibre au sein du personnage. Cela n'est que fatuité et illusion qui vous éloigne de ce que vous êtes en vérité. En résumé, tout le jeu de l'intelligence de la lumière et de la résurrection collective actuelle est simplement de vous dire et de vous montrer et de vous faire vivre la vacuité et l'évidence qui ne dépend justement d'aucune circonstance de ce monde. Tant que vous vous appuyez sur ce monde ou sur quelque vision que ce soit, vous n'êtes pas libre. Par contre, le fait de l'écrire, de le dire, vous libère et surtout aide chacun. Et tant que vous n'avez pas saisi
que le meilleur résultat, si on peut parler de résultat, est obtenu par le don de soi et le don du soi total. Vous ne pouvez être libre. Quoi que vous en pensiez, quoi que vous en disiez. Et cela va vous apparaître de plus en plus crûment, si je peux dire. Il y a vérité ou il y a souffrance. Dans la vérité, il ne peut exister aucune souffrance, quel que soit l'état du corps et quel que soit l'état de la conscience. Parce que la vérité n'est pas dans la conscience, mais dans la inconscience. De manière ultime, je dirais même qu'à la hauteur avec laquelle vous êtes prêt à vous sacrifier en esprit et en vérité, au plus vous vivez la joie et la légèreté. Ce qui veut dire qu'aujourd'hui, si vous n'êtes pas dans cette joie et dans cette légèreté le plus souvent de votre temps, c'est que vous trichez quelque part. Je ne vous demande pas de le comprendre, je ne vous demande pas de l'expliquer, mais de l'accepter. Comme toujours, vous ne pouvez que le vivre. Tant que vous croyez pouvoir le comprendre, vous en prémunir ou l'éviter, cela vous est fermé. En résumé, cela veut dire aussi que tout dépend de votre positionnement à chaque instant. Vous ne pouvez pas disparaître au sein de la multidimensionnalité et entretenir la moindre dualité en ce monde. Le Christ vous l'avait dit, ce que vous faites au plus petit d'entre vous, c'est à vous-même que vous le faites maintenant. Et tant que cela n'est pas vécu, alors point de vacuité, point d'évidence. La lumière est intransigeante. L'amour ne laisse d'espace pour rien d'autre. Et cela est de plus en plus vrai. Pour autant, il n'y a à ressentir aucune culpabilité, ni même aucune responsabilité. Car tout cela, bien sûr, vous vous en doutez, appartient à la même illusion. L'illusion de la conscience, l'illusion de ce monde, comme l'illusion des dimensions. En résumé, aujourd'hui, il n'y a que la vérité ou tout le reste. Mais la vérité ne s'accompagne d'aucune forme, d'aucune histoire, d'aucun scénario, d'aucun désir. C'est cela que la lumière vous dit aujourd'hui, de toutes les manières possibles. Et vous n'avez aucun moyen de vous y soustraire. Il n'y a que l'ignorance de ce qui n'est pas encore vu, qui a juste à être vécu et non pas expliqué. Si vous acceptez ce principe, alors tout vous est donné, sans aucune exception. C'est vous qui voyez, mais vous ne pourrez pas dire. Au travers de votre vécu et non pas au travers de mes mots, que vous ne le saviez pas. Parce que la lumière vous le montre instantanément. Je dirais même plus, la simple erreur de regard ou une pensée discriminante ou une pensée duelle va vous éloigner de cela. Mais cela n'est ni punition, encore une fois, mais simplement le moyen le plus intense de vivre la vérité. Au-delà de tout personnage, de tout scénario et de tout monde. L'amour est à ce prix. Parce que en cette terre et sur cette terre se joue la finalité du drame de la création et de la séparation, même au sein des mondes libres. Alors je ne vous demande bien sûr pas de me croire, ni même d'accepter mes dires.
mais simplement de le vérifier par vous-même. Si vous le faites, alors que rien ne peut persister d'illusoire, de souffrance. Mais rappelez-vous, vous n'êtes ni coupable ni responsable. Donc oubliez cela. Mais rappelez-vous ces mots. Car toutes les circonstances de votre vie, intérieure comme extérieure, ne convergent que vers cette même réalité, cette même vérité. Même en certains espaces et certains moments, vous allez voir qu'il n'y a pas de place pour le moindre doute, pour la moindre forme, pour la moindre interrogation. L'amour est évidence, au-delà de toute forme et de toute dimension. Là se vit la vacuité et la plénitude dans le même temps, où vous vivez réellement que vous êtes sur ce monde, mais que vous n'êtes pas de ce monde, comme d'aucun monde. Il y a actuellement, vous n'êtes pas sans l'ignorer, de plus en plus de frères et de sœurs dans l'illusion de la matière, qui réalisent cela instantanément. Que vous nommiez cela le feu igné, que vous nommiez cela le grand vide. Ce qui est caractéristique, c'est que ce n'est plus sujet à une histoire, ni à une forme. Quand la conscience devient sans objet, sans sujet, elle disparaît d'elle-même. Et tant qu'elle n'a pas disparu en totalité, vous ne pouvez voir la totalité de la vérité. C'est aussi simple que cela. Et vous ne pouvez être comblé de manière permanente. Alors bien sûr, les innombrables expériences et états vécus depuis maintenant plus de 6 mois vous amènent, que vous le vouliez ou non, à cela. C'est une étape, ou un moment si vous préférez, crucial. Parce que je l'ai déjà dit, les lignes temporelles se rassemblent, certains se sont déjà séparés, mais que cela ne peut pas être extensible, même au sein du calendrier de la Terre, comme auparavant. Vous le voyez autour de vous, il y a imminence. L'action des éléments devient de plus en plus évidente, où que vous soyez sur la Terre, ne laissant planer aucun doute, sauf pour celui qui ne veut pas voir sur ce qu'il se déroule. Cela est libération, cela est amour, quelles que soient les apparences. Et rappelez-vous que dorénavant, il n'y a que vous qui pouvez mettre encore une distance entre la vérité et ce que vous croyez être, mais que dès l'instant où vous capitulez, que dès l'instant où vous rejetez au loin toute forme de connaissance, que la vérité se fait jour. Cela ne vous privera pas de vos connaissances, mais elles ne seront plus mises devant, mais accompagneront la vérité. Ce n'est pas la même chose. Ce n'est pas le même résultat. Alors à vous de voir. Mais n'oubliez pas que vous êtes autonome et libre, même si vous ne vivez pas la liberté, mais qu'il y a des attitudes intérieures et extérieures plus propices à l'établissement de cette vérité, de cette liberté. Et que d'autres postures, d'autres regards, d'autres mots vous en éloignent. Et cela se fait dans l'immédiateté de l'instant. Il n'y a plus de délai. Tout se produit instantanément. Vous l'avez vu à travers le témoignage de notre sœur précédemment, où c'est allé jusqu'à l'événement le plus grave, pour l'éphémère en tout cas.
mais l'événement le plus léger pour ce qu'est cette sœur. Au-delà de la souffrance et de l'apparence, qu'il est le plus dur d'accepter quand nous sommes dans une forme humaine, c'est cette notion de simplicité. Parce que bien évidemment, au sein de ce monde, tout n'est qu'action-réaction, à tous les niveaux. Et c'est pourtant en cela que vous devez vous retrouver et laisser être ce que vous retrouvez. Vous ne pouvez agir par l'intention de vous-même. Vous ne pouvez agir par un quelconque désir personnel. C'est soit l'un, soit l'autre. Quel que soit ce désir personnel, c'est le désir ou l'évidence. Et l'évidence ne dépendra jamais de vous, quelle que soit votre assaise, quels que soient vos efforts, parce que l'évidence ne sera jamais un effort, mais la fin de tout effort. Et je vous engage, non pas à me croire, mais à le vérifier par vous-même, car cela est accessible à chacun. Il n'y a nulle différence entre chacun pour cela. Toutes les différences ne sont que des croyances, d'âge, d'expérience, de religion, de développement personnel, mais ce n'est pas la vérité. Je dirais que la vérité est au-delà de même toutes les expériences que certains d'entre vous ont vécues depuis plusieurs semaines. L'intérêt, je l'ai dit, c'est simplement le témoignage qui va résonner en l'autre. Mais aujourd'hui, c'est bien plus que cela. Cet amour nu vous veut en totalité. C'est ce que vous êtes. Tout le reste n'est que pacotille qui passe, qu'éphémère. L'évidence est immuabilité. Tout ce qui passe est vu comme passant, plus ou moins aisément. Mais derrière cela, il y a toujours l'évidence. Votre seule liberté, en définitive, dorénavant, est de dire oui à la lumière, oui à l'inconnu, oui à l'amour, mais sans rien projeter, accueillir. Un autre mot qui a été employé fort souvent. Accueillir, ce n'est pas seulement accueillir le bouquet de fleurs ou les mots doux qu'on vous dit, mais c'est accueillir avec la même intensité la violence ou la souffrance de votre corps, mais aussi la violence de tout autre frère ou sœur. Parce que tant que vous faites une différence entre celui qui est en accord avec vous et celui qui est en désaccord, alors vous n'êtes pas libre. Mais cela participe à l'établissement de la liberté. Parce que les réajustements, comme je l'ai dit, se font de plus en plus naturellement, avec de moins en moins d'efforts. S'il y a effort, alors ce n'est pas juste. La lumière est légèreté, elle est simplicité. Et si cela n'est pas en vous, c'est simplement parce que vous n'êtes pas suffisamment léger, en pensée, en croyance, et pas suffisamment assez fort, pour l'instant, à accepter tout inconnu. Mais là aussi, vous n'avez pas à jauger ou à mesurer quelque distance que ce soit, mais juste à vous laisser être. Juste à accueillir, sans aucune restriction,
sans aucune condition et sans aucune limite. Tout le reste, je dis bien tout le reste, se fait de lui-même. L'amour vous prend dès que vous vous donnez à l'amour. Il n'existe ni croyance, ni état du mental ou du corps ou de votre vie qui peut empêcher cela. C'est impossible. Je vous invite par mes mots là à simplement voir, sans juger, sans question et sans latence. C'est bien, comme je l'ai dit, une posture de la conscience elle-même. Et cela vous a été expliqué longuement à travers la respiration du cœur. Que cela soit par moi-même ou par Bidi. Dès l'instant où vous vous oubliez vous-même, alors l'amour est là. Il n'y a pas d'autre effort à fournir. Il n'y a aucun autre préalable. L'amour est don total, qui se révèle à vous quand vous vous êtes donné totalement, dans les circonstances qui vous sont propres dans votre vie, comme sur l'écran intérieur. Tout le reste ne fait que passer. Accepter cela, c'est déjà le vivre, et ne plus avoir aucun doute, ni aucune distance. Vous êtes la voie, la vérité et la vie au-delà de toute voie. Vous êtes la vie au-delà de toute vie. Et surtout, vous êtes l'unique vérité. Cela ne doit pas vous placer sur un quelconque piédestal de celui qui sait ou qui vit, mais doit s'accompagner d'une humilité toujours plus grande, non pas que vous décidez, mais qui s'installe d'elle-même, où l'autre est plus important que vous-même, même à l'autre bout de la planète. Montrant par là même qu'au sein de l'illusion de ce monde, même en cela, vous vous êtes reconnus les uns les autres, vous êtes les uns dans les autres. Avant, cela ne reste que des concepts ou des expériences qui passent. Alors que dans l'amour, cela est vérité de chaque instant, de chaque souffle. Bien sûr, vous ne perdez pas votre humanité tant que ce corps est là, bien au contraire. C'est une humanité transcendée et magnifiée. Il ne peut pas y avoir de plus grande authenticité que celle-ci. Bien-aimé, veux-tu bien poursuivre ? Témoignage. Après la rencontre du mois de mai, je conduisais pour rentrer. J'écoutais de la musique classique à la radio. Et tout d'un coup, je suis devenu la musique. Tout mon corps était la musique. Il est devenu immense. C'était comme s'il n'y avait plus de corps, que de la musique. Est-ce que cette expérience est du même ordre que de devenir l'autre ? En totalité ? Parce que la musique est encore plus subtile. Tu le sais, il s'agit d'ondes, de vibrations, de fréquences. Et dès l'instant où il n'y a plus de forme identifiée, tu deviens effectivement la musique. C'est en ce sens que le maître du temps vous a révélé, à travers certaines musiques et certaines paroles, la vérité de votre être,
C'est en ce sens qu'a été donnée l'impulsion, que je dirais finale, permettant à la résurrection de se manifester non plus seulement sur ceux qui suivaient une certaine forme d'enseignement, mais qui étaient prêts à laisser être la vie plutôt que de se croire en vie. Et la musique, effectivement, comme la nature, comme la poésie. Je ne parle pas de discours construits, mais vraiment de poésie. Ils sont capables de vous faire résonner au-delà de votre forme et de tout monde. Parce que justement, l'anomalie primaire a été vue et commencé à être levée déjà au début du mois de mai. Tout le reste s'ensuit de là. Alors oui, bien sûr, de la même façon que tu peux devenir le brin d'herbe, l'arbre, l'étoile, la galaxie, le plus accessible ici en ce monde et le plus subtil, et bien évidemment la musique. Je ne parle pas de vision, je ne parle pas d'image, mais bien plus de ce qui sous-tend par le rythme, par les notes, la vérité de la conscience. Après, dans les gammes d'ondes nommées électromagnétiques, vous passez sur des rayonnements qui n'ont plus rien à voir avec les fréquences sonores ou acoustiques. Mais ce n'est pas grave, parce que l'harmonie de la musique, telle qu'elle s'est révélée avec la fin de l'anomalie primaire et malgré les falsifications de certaines notes ou de la gamme en totalité, n'ont plus aucune importance. Et l'expérience que décrit cette personne, où elle est devenue la musique, suffit à ce moment-là à ne plus croire à être ce corps, ce monde ou cette vie. Vous ne pouvez plus être trompé à ce moment-là par le corps ou par la personne, puisque vous avez l'expérience directe, comme tu l'as dit d'ailleurs, que cela soit par la musique ou par le fait d'être en l'autre et d'accueillir l'autre. C'est le même processus. Et la musique vous y a conduit tout naturellement. Mais aujourd'hui, je l'ai dit, le silence devient plus important que la musique. Ce qui ne veut pas dire qu'il n'y a plus de musique, bien au contraire. Mais que par vous-même, vous vous rendez compte qu'il n'y a rien de supérieur au silence. Parce que c'est là qu'est l'évidence est la plus présente. Et la plus prégnante. En cet état-là, vous le savez pour le vivre, il n'y a rien à revendiquer, ni être ceci, ni être cela, ni être le maître, ni être l'élève, mais simplement être la vie. À partir de là, votre vie s'écoule, et cool. Vous n'avez plus d'interrogation quant à un événement, quel qu'il soit, parce que vous êtes devenu l'événement. Vous êtes à la fois l'événement et l'avènement. Et c'est ainsi que la bonne nouvelle se répand sur la terre. Au-delà des langues, au-delà des images, au-delà des vécus intérieurs, au-delà de toute souffrance liée à ce monde, vous avez recréé, depuis la présence de la conscience christique et de la matrice christique, le champ ultime, le champ de la résurrection, le champ de tous les impossibles. Alors, plus vous serez nombreux, en cet été qui est arrivé, à vous conformer à cela, plus cela deviendra facile et évident, déjà pour vous, quel que soit l'état de votre corps ou de votre vie, mais aussi pour le plus grand nombre. Tout le reste, absolument tout le reste, vous en éloigne. Que cela soit les croyances, les religions, les exercices dits spirituels, tout cela ne fait que vous éloigner de la vérité maintenant. Cela vous a permis de vous en approcher. Voilà
quelques années, quelques temps, ou de nombreuses années, ou de nombreuses vies pour certains d'entre vous. Mais tout cela ne veut plus rien dire. Parce que la lumière est là. Parce que l'amour est là. Parce que l'évidence est là. Bien-aimé, tu peux poursuivre. Quel est ce jeu que l'on continue de jouer? Où est l'ombre? Où est la lumière? Les deux ne se confondent-ils pas? Et pour mettre fin à l'histoire ou au rêve, et enfin fermer le livre peut-être, Abba doit-il se manger lui-même? Bien-aimé, vous êtes chacun Abba. Donc chacun doit se manger lui-même. Mais il n'y a pas de meilleure façon de se manger que de manger l'autre. Car c'est en mangeant l'autre qu'en définitive vous mangez vous-même. C'est en aimant l'autre que vous vivez l'amour, pas en vous aimant, ni en vous détestant. L'œuvre, si tant est que l'on puisse appeler cela une œuvre qui se déroule par la résurrection depuis de nombreux mois, vous le savez, vous le voyez, touche à son terme. Mais personne ne connaît le terme. Parce que comme je l'ai déjà eu l'occasion de le dire et de l'affirmer, la partition musicale est jouée par tous les acteurs, par tous les musiciens. Et chaque conscience fragmentée est un musicien. Et que de toute façon, l'harmonie de l'amour ne peut que gagner parce qu'elle a déjà gagné. Il y a simplement la révélation de cela. Qui n'a pas encore touché chacun. Mais il n'y a pas besoin de toucher chaque conscience. Il y a simplement besoin de votre ferveur en l'amour. Quoi que vous en viviez, votre ferveur en l'évidence et même à l'inconnu, il n'y a que ça qui soit important. Alors bien sûr, il existe une limite qui est à la fois la résistance de chaque corps, mais aussi comme la résistance de la terre. Quand j'emploie le mot résistance, ne voyez pas le fait de résister sur le plan psychologique, mais je dirais plutôt le facteur d'élasticité d'une dimension donnée. Il en est de même pour le corps de chair, il en est de même pour la terre elle-même. Alors vous le voyez de partout, les éléments sont à l'œuvre, libérant le sang de la terre, libérant les terres, mais aussi en chacun de vous. Alors la musique se joue d'elle-même, car vous êtes chacun le chef d'orchestre. Et chacun dirige par sa baguette sa propre vie et la vie. Le basculement ultime, vous le savez, peut se produire à n'importe quel moment. Mais j'ai aussi dit qu'il fallait mettre à profit chaque instant présent au sein de l'illusion pour ensemencer toujours plus l'amour, lui permettre de se révéler, lui permettre d'être actif, lui permettre de mettre en avant son intelligence. C'est cela que vous réalisez depuis de nombreux mois. C'est cela qui se vit et se révèle. Alors effectivement, il n'y a rien à attendre. Et surtout pas un événement extérieur, ils sont déjà là. Ils se vivent en ce moment même, de partout sur la planète. Parce que si vous attendez l'événement en lui-même, vous l'empêchez de se rapprocher, vous l'empêchez même de se vivre.
C'est en cela qu'il ne faut pas résister ou projeter quoi que ce soit, mais être immergé en totalité dans le don de soi et le don du soi. Vous n'avez pas d'autre possibilité. Et l'intelligence de la lumière et de la vie vous le montre à chaque occasion, que ce soit dans votre corps, comme dans les souffrances de votre vie, mais aussi dans ses joies. Je ne peux que vous encourager à être vrai, à être disponible. Et d'ailleurs, cela a été dit, la lumière et l'amour vous veulent tout entier. Il n'est plus question de transiger, de décider. Et d'ailleurs, l'amour vous emporte en entier, mettant au second plan, dorénavant, tout ce qui peut appartenir à ce monde. Et vous ne pouvez pas vous y opposer sans en souffrir. Parce que c'est ainsi que vous vous démontrez à vous-même, si vous êtes encore inscrit dans quelque histoire que ce soit, dans quelque scénario que ce soit, ou si vous êtes juste dans la vérité de la beauté, de l'ineffable. Et plus vous vous stabilisez en cela, dans cette beauté, cet ineffable, plus vous accompagnez le monde et les illusions. Mais dès qu'il existe une volonté même minime d'appropriation de la lumière, ou de détournement de la lumière au profit de la personne, alors cela ne peut fonctionner. Et cela vous est montré et démontré. L'amour est une reddition sans condition. Il ne peut exister la moindre condition, le moindre délai et la moindre distance. Car tout cela est illusion. Alors, en ce silence, où que vous soyez, le feu igné de l'amour œuvre en vous, au-delà de vous. Parce que ce n'est pas parce qu'Abba parle, mais simplement parce que vous êtes à l'écoute. Et c'est dans l'écoute que l'accueil se fait. Cela pourrait se nommer la bienveillance. Vous pouvez d'ailleurs y trouver d'innombrables qualificatifs, mais c'est avant tout une posture de la conscience. Qui demeure immobile. Ni dedans, ni dehors, mais en même temps dedans et dehors. C'est le fameux moyeu de la roue qui permet le mouvement par son immobilité. À ce moment-là, vous n'êtes plus un lieu de vie ou de manifestation de la conscience, mais vous devenez la source même de la conscience, antérieure à la conscience. Bien-aimé. On a fini les questions écrites.
Alors il est temps maintenant pour ceux qui le souhaitent de prendre la parole, pour témoigner, pour interroger, pour dire. Ne vous mettez aucune limite. Autrement, j'ai une précision à vous demander. Vous parliez tout à l'heure de lignes temporelles qui se rassemblaient et qui désormais même se séparaient. Et est-ce que vous pouvez expliquer ce que ça signifie ? Ceux d'entre vous qui, au-delà de la conscience nue, vivent l'amour nu, ont déjà quitté ce plan. Ils ont déjà, si tu préfères, ascensionné, tout en maintenant leur forme, vous attendant. Ils ne sont pas en retrait de la vie. Ils ne sont pas en retrait de leur fonction au sein de ce monde. Mais ils ont magnifié cela. Mais même ceux-ci doivent temporiser en quelque sorte afin de rejoindre tout le monde par ce temps zéro. Ce qui veut dire que dès l'instant où tu as franchi le temps zéro, le temps pour toi ne veut plus rien dire. De la même façon qu'Abba peut agir en ultra-temporalité, dans le passé comme dans le futur, tu as la même capacité. Et le fait que tu sois libéré des conditionnements de ce monde et vivant l'amour nu, te permet de demeurer au sein de ce corps, non pas pour toi, mais pour permettre à tous les autres de franchir la même arche, le même point haute, la porte étroite. Donc oui, il n'y a pas d'obligation de simultanéité du temps zéro. Certains d'entre vous l'ont déjà franchi, d'autres s'apprêtent à le franchir. Le moment collectif le vous fera franchir en totalité. Je vous le rappelle, il n'y a rien à attendre de plus. Il n'y a rien à redouter de plus. Mais il y a simplement à demeurer en cette vérité. D'ailleurs, celui qui a passé le temps zéro ne peut plus être affecté par quelque événement que ce soit de ce monde, comme de son corps. Il y est soumis, bien sûr, mais il ne sera jamais dans la réaction, ni dans l'opposition, ni dans la confrontation. Même si, en certains côtés, ce que j'appellerais le côté intolérable de l'illusion peut se faire jour, pouvant déclencher effectivement colère, interrogation. Mais dans ce cas-là, même les colères et les interrogations ne sont que de l'amour. Ce n'est plus la colère de la personne, ce n'est plus la colère d'une conscience, mais c'est la colère de l'évidence. Cette colère-là n'a aucun effet dissociatif, d'opposition ou de contradiction. Mais c'est là aussi un feu qui vient s'ajouter aux autres feux et qui nourrit le feu de l'amour, le feu igné, quelles que soient les apparences. En résumé, pour ces êtres-là, quelle que soit l'humeur, tout est nourriture de l'amour. Il ne peut en être autrement. Et cela se voit, et cela se vit, et cela se ressent. Qui veut prendre la parole ? Si nous en avons le temps. Un témoignage, je vais lire. J'ai vécu des événements traumatisants, physiquement et psychiquement, l'année dernière. Je te laisse répéter. J'ai vécu des événements traumatisants, physiquement et psychiquement, l'année dernière. Ces événements m'ont obligé à prendre le temps de découvrir la fragilité de la vie, la fragilité des liens, des illusions,
avec lesquels je vivais. Tu pourrais me donner le papier, ce serait... Oui, mais j'espère que tu vas venir. Mais viens, approche et viens plus fort. Juste ça, pour le reste. Ces événements m'ont obligé à prendre le temps de découvrir la fragilité de la vie, des liens, des illusions avec lesquelles je vivais, et de prendre conscience que la réalité résidait au plus profond de mon cœur. J'ai pendant des années espéré entendre l'appel individuel de Marie, et puis rien, silence, radio. Beaucoup de témoignages font état de messages, de visions, de voyages en conscience, nus. Pour moi, c'est l'écran noir, parfois blanc, sans son, ni image, ni message, mais j'accueille, parfois dans la joie, parfois avec interrogation. Il y a plus de 25 ans que j'ai commencé à ressentir la couronne de la tête et à entendre les sons dans les oreilles. Aussi, je comprends ce que veut dire « les premiers seront les derniers ». Et j'accepte ce vide profond, ce sentiment de solitude, ce manque. Il y a une quinzaine de jours, j'ai été réveillé par une voix féminine m'appelant par mon prénom, sans doute parce qu'alors je n'attendais plus rien. Je rends grâce à celle qui est en mon cœur et qui m'a redonné cet enthousiasme que j'avais perdu. Grâce aussi à toi, Abba, et à tous mes frères et sœurs. Voilà. Bien-aimé, tu exprimes ainsi en quelques mots que quelle que soit la douleur d'un événement corporel ou psychologique, quelle que soit la durée même de ces événements, rien n'est jamais perdu. Et que tout a sa raison d'être. Et que les circonstances de la vie vont toujours t'amener à te tourner vers ton cœur. Cela peut être avec fracas, cela peut être avec aisance, mais en définitive, cela ne fait pas de différence. Car le plus important n'est pas ce qui est parcouru, mais ce que tu vis dorénavant. Tant qu'il y a attente, vous mettez de vous-même en distance. Avec vous-même. Je ne parle même pas d'événements. Vous le savez, il y en a parmi vous depuis fort longtemps qui vivent, comme tu le dis, l'appel de la lumière, que cela soit à travers la couronne de la tête, les sons de l'âme ou de l'esprit dans les oreilles, ou par la perception énergétique ou vibratoire. Mais aujourd'hui, tout cela n'a plus lieu d'être, même si cela est de plus en plus présent. Parce qu'il existe un moment, que tu as d'ailleurs parfaitement identifié, où tu lâches, où tu comprends et saisis que tu ne peux pas diriger la lumière, que tu ne peux même pas diriger la vie. Et que tant que tu penses diriger ta vie, bien sûr c'est adapté à ce monde, mais cela entraîne souffrance et résistance de façon permanente. Il n'y a pas de meilleur mot que l'abandon. Total, cela a été appelé la crucifixion. Et certains frères et sœurs sur cette terre, effectivement, comme nous l'avons eu d'ailleurs lors d'un premier témoignage aujourd'hui, passent par des moments parfois difficiles. Mais tant qu'il y a moments difficiles conçus ainsi et vécus ainsi, cela concernera toujours la personne et jamais l'amour. Parce que l'amour n'a que faire de tout ça. Bidi vous l'avait dit, lui qui a parlé quasiment jusqu'à ses derniers jours, atteint d'une maladie, l'amour s'impose toujours. Et surtout dans les moments où il vous semble le plus absent et le plus éloigné. Parce qu'en définitive, il n'y a que la personne qui refuse de disparaître, qui refuse de lâcher, quoi qu'elle en dise et quoi qu'elle en pense. Parce que dès l'instant où vous lâchez réellement et concrètement, il n'y a pas d'ambiguïté. Vous êtes ressuscité. Et cela est de plus en plus immédiat. Que cela passe par une voix féminine, par la voix de Marie, par le fait d'aimer un autre frère ou une autre sœur. En cela,
et la vérité. Et vous allez voir que si l'opportunité nous en est accordée, au fur et à mesure des jours et des semaines, ce que tu dis aujourd'hui va se retrouver de plus en plus. Ce n'est plus tant, comme tu le dis toi-même, la conscience nue et les multiples expériences vécues par certains qui, de toute façon, débouchent effectivement sur l'amour nu. Aujourd'hui, l'amour nu se déploie beaucoup plus facilement, sans vision et sans voyage, parce que tout se passe à l'intérieur de ce cœur et à l'intérieur de ce corps, puisque le monde est en vous. Et que quand il y a vacuité d'images, de visions, de formes et d'expériences, même s'il y a souffrance, alors à ce moment-là, il n'y a plus d'attente, comme tu l'as dit, et la lumière peut être là, elle a toujours été là. Mais l'attente elle-même te met en distance, de la même façon que le moindre duel ou inscrit dans la dualité ne peut jamais permettre de vivre l'amour. Il permettra certes de vivre des états, des expériences, d'énergie, de vibrations, des visions, et même la conscience nue, qui vous donne la certitude d'être libre, mais ne permet pas la liberté. Et cela, comme je l'ai dit, vous allez découvrir de façon de plus en plus extensive. Même si cela passe par des crises existentielles, par des douleurs, parce que pour chacun de vous, comme pour chacun de nous, il ne peut en être autrement. Et plus il vous semble aujourd'hui être éloigné de la lumière ou souffrir, plus en définitive vous en êtes proche. Et c'est cela que vous découvrez. Parce que la souffrance est, sans rentrer dans les détails de l'organisation physiologique de l'être humain, a le même potentiel d'amour que la joie. Cela est un mystère pour la personne, mais cela n'est absolument pas un mystère pour l'amour. Retenez bien, à travers ce témoignage, que c'est chacun de vous qui, par l'attente, met de la distance, par le regard duel, qui met de la distance. Parce que vous pouvez vivre l'unité en certains moments, mais si en revenant au sein de la personne, vous parlez de bien et de mal, vous vous remettez vous-même les chaînes, aux poignets et aux chevilles, vous êtes autonome. Vous ne pouvez pas prétendre à la lumière et voir de l'ombre. Vous ne pouvez pas prétendre à l'amour et voir une différence entre le moindre frère et sœur et vous-même. Il n'y a pas d'ennemi, il n'y a pas d'ami. De toute façon, vous le savez, ce monde est illusion. Et si vous voyez le mal, vous ne pouvez pas en voir l'illusion. Vous nourrissez la dualité, bien malgré vous. Et cela va devenir de plus en plus sensible, de plus en plus vrai, pour chacun. Et cela, il n'y a que vous qui pouvez le voir et le dépasser. Mais vous ne le dépasserez jamais par vous-même, par une quelconque action, mais par une authenticité vis-à-vis de vous-même. Soyez vrai, soyez authentique et soyez humble, sans culpabilité, mais voyez clairement le jeu que vous jouez, en chaque circonstance et en chaque occasion. Que nourrissez-vous ? Nourrissez-vous la liberté ? Ou nourrissez-vous le jeu ? Le vôtre comme le jeu au sein de ce monde. Et cela va vous apparaître de plus en plus clairement, même si aujourd'hui vous ne le voyez pas, parce que cela fait partie du processus de la résurrection, de la libération et de l'ascension. Et à chaque fois que vous réalisez cela avec honnêteté, avec vérité, alors vous permettez au collectif de l'humanité, comme de l'ensemble de ce système solaire, mais aussi des autres univers et des autres multivers, de se rapprocher. Voilà quelque temps, j'ai eu l'occasion de dire
que le rêve de ce monde, le cauchemar de ce monde s'éloignait, et que les rêves deviennent réels. Parce que les rêves que vous vivez ne sont plus des rêves, mais des états de la conscience. Ces états de la conscience qui correspondent à la conscience nue vous dirigent à l'amour nu. Mais vous n'avez plus besoin de les vivre. Et ce que tu viens de dire et d'exprimer le démontre. Et vous allez être toujours plus nombreux à le vivre et à le démontrer. Vous êtes les témoins. Les témoins de la résurrection, les témoins de l'amour, les témoins de la joie. Il n'y a pas de différence. La distance, que cela soit individuellement, collectivement, n'existe que par la pensée et par l'identification à la forme ou à une histoire. Dès l'instant où vous n'êtes plus dans ces jeux, alors la vérité peut réapparaître. Pas avant. Parce que sinon, vous faites du mal à vous-même, surtout si vous avez vécu des états modifiés de la conscience, surtout si vous avez vécu cette conscience nue, quelle que soit l'intensité. Et si après, au sein de la personne, votre discours, vos mots, vos regards, vos agissements sont inscrits dans la dualité, d'une manière ou d'une autre, vous ne pouvez qu'en souffrir. Il vous faut être doux, il vous faut être bon et bienveillant envers n'importe quelle circonstance comme envers n'importe quel ennemi avec la même intensité. Parce qu'il est facile, je dirais, d'aimer ceux que l'on aime, mais ceux que vous n'aimez pas, ils doivent être aimés encore plus parce que vous ne les connaissez pas. Et tant que vous jugez sur l'apparence, tant que vous jugez sur les mots, tant que vous jugez selon la perception de l'énergie ou de la vibration, vous avez tout faux. Surtout maintenant. Parce que ça, c'est une posture qui vous met immanquablement dans la dualité. Le bien, le mal, ce qui vibre, ce qui ne vibre pas. Il n'y a aucun amour là-dedans. Aucun. Il y a juste de la division, le besoin de se prémunir, le besoin d'évoluer. Mais l'amour n'évolue pas. Il est parfait de toute origine et il a toujours été là. Alors vous voyez, il y a des agissements, des conduites qui pouvaient être encore fort utiles, voilà, quelque temps, qui aujourd'hui représentent un encombrant bagage et un poids. Libérez-vous de tout poids et vous verrez. Vous serez alors l'amour nu. Mais rien de vos connaissances et rien de vos mesures ou de vos démesures, rien de vos expériences, même les plus lumineuses, ne vous libère. Elles libèrent chaque autre et c'est très important. Mais il faut aller au-delà. L'amour nu, aujourd'hui, n'a plus besoin de s'encombrer de la conscience nue. D'ailleurs, l'amour nu n'a besoin de s'encombrer de rien du tout, parce qu'il est le grand tout. Et vous n'y arrivez que par le grand vide. Tout le reste n'est que roman, tout le reste n'est que histoire racontée et mensonge. L'amour est simple. Il n'y a rien de plus simple. Bien-aimé, y a-t-il d'autres sœurs ou frères qui veulent exprimer ou questionner ?
Moi, j'ai une petite question. Alors, est-ce que l'intelligence de la lumière est conscientisée par quelqu'un ou quelque chose? Parce qu'à chaque fois, tous les intervenants en parlent comme de quelque chose d'extérieur à eux, quelque part. Comme un mécanisme qui n'est compréhensible par personne, y compris par eux-mêmes. Est-ce que vous-même, vous conscientisez l'intelligence de la lumière? Non. J'en abuse et en use. Elle est à profusion, à disposition. Mais l'intelligence de la lumière n'est que simplement l'agencement de l'amour au sein de la lumière. Cela a été appelé intelligence de la lumière parce que cela correspond à une sphère d'émanation très précise au niveau de l'ordre de la création. Correspondant peu ou prou à ce que tu pourrais nommer la Trinité ou la Triunité. L'intelligence de la lumière n'est que l'aspect quantique de la lumière, si tu préfères. Personne ne la possède. Personne ne la manifeste plus qu'un autre. Une fois qu'elle est reconnue, elle est agissante. Elle est dans l'éther primordial, le feu igné. Elle est en abondance sur la terre, à profusion pour chacun. Mais elle n'est pas l'apanage d'un être ou d'une conscience. Elle relie, par l'intermédiaire de ce qui a été nommé la matrice christique ou la conscience christique, l'ensemble de la création. Elle est libérée maintenant, elle est en action. Mais elle ne peut être assujettie à une forme ou à une expérience quelle qu'elle soit en tout monde. L'intelligence de la lumière est le support de l'amour et la première émanation au sein de la Triunité. Elle ne peut être personnalisée, si ce n'est peut-être, par les premières manifestations de conscience au-delà du deux, c'est-à-dire ce qui a été nommé les Ayot HaKodesh, les briques constituantes des univers et des multivers, quelles que soient les gammes de fréquences. Bien sûr, il y a eu des consciences qui portaient cette intelligence de la lumière. Mais elle est aujourd'hui accessible de partout. Cette intelligence de la lumière n'est pas tributaire d'une forme ou d'une conscience. Elle est l'agencement de la conscience, au-delà de toute forme. Et c'est au travers de cet agencement de la conscience que se résout l'antagonisme de la création et de la décréation. Antagonisme apparent, puisqu'en fait, rien n'a jamais été créé et rien n'a jamais vraiment disparu pour celui qui vit la vérité. Seul celui qui est dans le jeu de la conscience perçoit les mondes, les univers, les dimensions. Mais celui qui vit la vérité n'a pas besoin de s'encombrer, même s'il le voit, même s'il le vit, de tout cela. Dès l'instant où l'amour nu est vécu, il y a une espèce de fatuité et d'inutilité de tout ce qui se déroule dans les autres dimensions. Parce que là, tu touches à la source de la conscience, antérieure à toute prise de forme. Nous sommes ici au niveau de ce qui est appelé, si tu as besoin de concepts pour t'y repérer, de ce qui est nommé effectivement la Triunité, que tu l'appelles Père-Fils Saint-Esprit ou Père-Fils Mère, que tu l'appelles la Trimurti, que tu l'appelles le triangle séphérotique supérieur, que tu l'appelles les noms des divinités, ou que tu regardes sur la planète, c'est exactement la même chose. Adapté par le décor, à une culture, à un environnement. Mais c'est tout. C'est le miracle du 3 en 1. Et cela est accessible à profusion. En ce monde.
Nous pouvons continuer. Il nous reste 2 minutes seulement avant notre goûter. Alors nous pouvons suspendre. Abba, rends grâce à votre écoute, à votre amour, à votre disponibilité. Et Abba vous dit à dans quelques instants. À tout à l'heure. Merci.